méritait le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Quitter la drogue, arrête de coucher en mariage. Dieu veut le mariage entre un homme et une femme, pas homme et homme. Les chiens, oh le chien, lui, intelligent, rigolez. Beaucoup iront en enfer ici là. Préparez le monde, c'est la fin. Les gens ont peur de corona et ils fument la clope. Venez à Jésus. Seul Jésus donne le pardon du mensonge. Moi, je mens plus. Hein. Marie à ma femme. Je la trompe plus, ma femme. Et toi, où en es-tu? Sans Jésus, il n'y a pas de pardon. La religion ne pourra pas vous sauver. La preuve, t'as un mytho. Et tu fais la prière. Quand tu fais la prière, et tu as dit des gros mots, wesh wesh, le rap, le zouk, et tu fais la prière, mais on se moque de qui là? On se moque de qui? T'as deux yeux, hein? Dieu, il n'a pas de lunettes, hein? Dieu, oh là là, il voit toute la terre. Il voit la sodomie des hommes. Il voit le viol. Il voit les avortements que beaucoup commettent. Venez à Jésus. Si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Quittez la drogue. Jésus revient. Nous sommes à la fin, mes amis. Aimez la police aussi. Aime ton prochain, c'est la police. Bon courage, la police. C'est un message d'amour, un message de paix. L'évangile. Regardez les fumeurs, les drogués, les adultères. Combien ici vont mourir? Pas corona, le cœur. Crise cardiaque. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas que corona qui tue. Hein? Les gens pensent que la télé dit il n'y a que corona. Oh, j'ai pas corona, je ne vais pas mourir. Tu vas mourir. AVC. Ah. Le vrai vaccin, c'est pas un Pfizer. Hein? Le vrai vaccin, c'est Jésus. Moi, je suis vacciné. Hein? Vacciné contre le mensonge, contre la pornographie, contre la bagarre. Fini cette vie. Voilà mon vaccin, moi. C'est lui, mon créateur. C'est pas Pfizer. Oh, 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 Pfizer. Oh, oh, mort quand même. Voilà pourquoi je t'annonce ce message. Le message du créateur de la pluie. Waouh. Le créateur de mon cœur. Le créateur de ma bouche. Et il a marqué l'histoire. Avant, après, Jésus. Waouh. Beaucoup disent que Jésus n'est pas le sauveur. Mais c'est normal. Tu es dans le péché. Et beaucoup n'aiment pas Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Jésus, il faut arrêter les meufs. Ah oui. Quand tu viens à Jésus, il faut arrêter les gros mots. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas dit un gros mot. Ferme ta. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a aidé. Jésus. Fumez le shit. Oh, je fumais. Vous êtes possédé, la cigarette là. Possédé. Fumez, tu. Il n'y a que le diable qui veut te tuer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Je ne suis pas catholique. Hein? Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne suis pas adventiste. Je ne suis pas musulman. Regardez mon corps. Jean, basket. Mais ouvre mon cœur là. Ouvre mon cœur. Tu verras l'amour pour les Arabes. Ouvre mon cœur. Tu verras que je ne trompe pas ma femme. Ma femme, 10 ans. Mariée. Je la trompe plus. Pourquoi? Jésus. Et c'est pas sida. C'est pas sida. Comprends le message. Si elle est sida, c'est à cause de vous là. Le sida. Pourquoi beaucoup le sida? Mais ça me couchait partout. Ça couche, ça couche, ça couche. Voilà votre life. Mais la Bible dit que ceux et celles qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, quand ils vont mourir là, leurs âmes iront au ciel. Et ceux qui meurent dans le péché, aïe aïe aïe, vous irez en enfer. L'enfer, c'est pas corona. Hein? Les hommes pensent que l'enfer, c'est le corona, c'est mon ami. L'enfer là a été créé pour le diable. Mais quand Adam et vos péchés, malheureusement, les humains
sont devenus pécheurs, menteurs, adultères, sodomites, lesbiennes, racistes, pédophiles, concubinage, polygamie, beaucoup en quatre femmes, 10 femmes. Moi, vous êtes sérieux quoi là? 10 femmes? T'arrives même pas à satisfaire une femme? Tu veux 10? Orgueilleux! C'est quel Dieu ça? Qui dit aux hommes d'avoir 7 femmes? C'est quel Dieu? Pas le mien en tout cas. Parce qu'il dit quoi? La Bible dit quoi? Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé 2 hommes, hein? Sinon on ne serait pas là. Dieu a créé sperme et ovule. Ben oui. Les filles, Dieu a créé les menstrues. Arrête la pilule, parce que là-dedans, là, enfin, fais ce que tu veux. Mais comprends le message. On se prend la pilule, là, pour coucher. Mais c'est quoi cette vie là? C'est quoi cette vie, les jeunes là? Hein? On met des piercings partout. On veut ressembler à Rihanna. Maintenant, on voit des négresses, cheveux lissés. Mais reste cheveux crépus. On veut ressembler à qui? Aux stars de la télé. On veut ressembler à Claudia Schiffer. Je suis sénégalaise. Mais tu es belle comme tu es. On met des faux cheveux. On met des faux cils. On met des talons pour être plus grand. On change de sexe. Vous insultez le Créateur. Vous l'insultez. Les jeunes, ta maman là, il faut obéir à vos parents. Venez à Jésus. Car vous ne savez pas le jour de votre mort. Repens-toi dans ta chambre. Car la Bible dit quoi? Que Jésus est venu pour quoi? Jésus, très peu le connaissent. Beaucoup pensent que pour être sauvé, il faut faire le ramadan et après continuer le péché. Mais c'est quoi ça? Donc on fait ramadan après continuer à fumer? Mais non. Dieu, c'est jusqu'à la mort. Moi là qui vous regarde, regardez-moi. J'avais des boucles d'oreilles avant. J'ai des locks. Avant, j'ai mes collets serrés, le zouk. Mais c'est le sexe. J'ai mes zouké. Mais c'est le sexe. Il y a des femmes mariées. Chérie, je vais en boîte. Mais c'est chaud quand même, hein, cette vie-là. Non, déjà, toi, tu fantôme de mariage, toi. Travaille à l'école. Hein? On veut coucher à 15 ans. On veut coucher à 12 ans. Travaille à l'école. Travaille à l'école. Arrête de sécher. Les jeunes. Priez Jésus. Jésus revient. Si tu meurs dans tes péchés, où iras-tu? Les humains disent, on ira tous au paradis. Alcoolique, paradis? Non, non, non. Avortement, paradis? Non. Cigarette, paradis? Non. Adultère, divorce, paradis? Non. Avortement, là, on tire le bébé. Nya. T'es sérieux, là? Tu ne tueras pas. Tu fumes, tu ne tueras pas. Tu frôles les bus. Il t'a vu, hein? Mes amis, avant moi, j'avais plusieurs femmes. Adultère, j'étais. Là, je suis marié. Ça fait 10 ans. Pourquoi? L'évangile. Je vois la Bible. J'ai failli mourir, hein? C'est avant de mourir que le Seigneur m'a fait grâce, il y a 10 ans. Mon ami, je menais une vie de bagarre. Boîte de nuit. On va zouker, coller, serré. J'étais footballeur de haut niveau. Je me suis blessé. Je n'ai pas signé pro. Quand la maladie m'a frappé à l'hôpital, j'étais solo. En fait, quand tu as des problèmes, quand tu es malade, c'est là que tu sais qui t'aime vraiment. Moi, les meufs n'étaient pas là. Même mes parents, j'étais solo. Oh mon Dieu. Mon ami, oh lolo, il m'a fait grâce. Là, je rends du boulot. Hein. Mais ce soir, tu peux mourir. Ton cœur peut s'arrêter. Ah oui, hein. Il n'y a pas que Corona qui tue. Hein. Il n'y a pas que Corona. La tête t'a fait croire, quand j'ai pas Corona, je vis. Attention, il y a d'autres maladies. Mes amis, je veux la Bible. Oh là là. La Bible, quand j'ai commencé à lire la parole, ça m'a condamné. J'étais menteur, adultère, masturbation, mensonge, violent. J'étais raciste. Ça m'a condamné. Et la solution, c'est quoi la solution? Jésus
a crucifié la chair sur la croix. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Il m'a pardonné moi. Je mens plus. Hein? J'ai très peu d'amis. Pourquoi? La vérité là, ah, on n'aime pas trop ça. Ma femme, elle peut fouiller dans mon téléphone. Il n'y a pas de Béatrice dedans. Elle peut fouiller. Avant, je cachais. Quand on cache là, c'est que là-dedans, là, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus, il m'a rendu libre du péché. Si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. Mais d'autres diront, oh, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait où j'irai après ma mort. Tu es sérieux, là? Quand tu tues, là, il n'y a que la juge qui sait où? Tu sais aussi. Tu vas en prison. C'est moi, c'est faux. Voilà pourquoi Jésus a porté nos péchés sur la croix. Parce qu'il nous aime. Et là, on vit la fin. Mes amis, c'est la fin. Il n'y a pas que la marque de la bête arrive. Vous voyez pas que Jésus revient, mes amis. C'est la fin. Les gens prennent de corona et ils fument. Les gens prennent de corona et ils fument la cigarette. Oh, j'ai pas de corona. Oh, je mets le masque. Oh, oh, mais tu fumes, retire le masque. Aucune religion ne peut vous sauver. Il y a un seul Dieu. Oh, fou. Il y a un seul Dieu. Et il y a 10 000 religions. Hindou, catholicisme, shintoïsme, islam, bouddhisme. Mais il faut aller où là? Où aller? Ben aller nulle part. La Bible dit quoi? Invoquez le Seigneur. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Si tu es menteur, Jésus peut te pardonner. Qui ment beaucoup ici? Levez la main. Qui ment beaucoup ici? Qui ment beaucoup ici? Pour échapper. Mais levez la main, n'ayez pas peur. Ouais, le péché, on a honte. On a honte de dire. On a honte. Bon courage. Hein? Dans votre chambre, priez Jésus. Priez Jésus dans votre chambre. Hein? N'attends pas la mort pour prier. Hein? Oh, Jésus, ça. Jésus. Alléluia. Il me protège. Il est vivant, Jésus-Christ. Bon courage, je vous aime. Bon courage tout le monde. Je vous aime, priez Jésus. Salam alaikum. Jésus revient, madame, c'est écrit dans le Coran, il va revenir pour juger la terre. Faut le prier. Ah ben oui, il revient. Il revient Jésus, tu le sais ça? Ah oui, c'est chaud mes amis. Si tu vois un jeune te parler comme ça là, c'est que c'est réel. Bon courage. Demandez pardon au Seigneur pour tous vos péchés et vous serez pardonnés. Bon courage, bon Dieu vivant. Bon courage tout le monde. Rentrez bien, bon souper. Voilà. Ouh.